Namaskaram Sadhguru. Our scriptures and even our temple sculptures depict many kinds of beings like Ganas and Yakshas. Are these the same beings that are visiting Manasarovar? Les deux seules cultures qui ont documenté ça dans une certaine mesure sont la culture indienne l'a énormément documenté. Et la culture grecque l'a fait dans une certaine mesure. En ce qui concerne leur nature, quand on parle d'êtres d'une autre dimension, ce sont les deux seules cultures qui décrivent des formes bien définies. Donc ici, on a les Yakshas, Gandharvas, Ganas, Kinaras, Apsaras, Kritikas, et il y en a des tas comme ça. Je crois qu'on a bien identifié des êtres d'autres dimensions, au moins 11, 12 variétés. Les Grecs ont des chiffres similaires de probablement, si pas les mêmes, peut-être un peu moins, mais eux aussi les ont identifiés. Je crois que le seul endroit, je ne suis jamais rentré dans cet endroit, mais les gens me disent que la meilleure bibliothèque de ce genre est à Adyar, à Chennai, la bibliothèque théosophique, est censée avoir une immense collection de livres occultes qui traitent de tous ces aspects. Plus que le processus spirituel, c'est l'occulte qui explore ces aspects, parce qu'il cherche toujours à voir comment utiliser un certain type d'entité qui a la force, l'intelligence et l'accès nécessaires pour faire des choses pour eux. Ils cherchent toujours à voir comment asservir quelque chose pour l'utiliser à leur avantage. Donc l'occulte explore ces choses bien plus que le processus spirituel. Mais dans le processus spirituel, je crois que Gautama lui-même parle beaucoup de ces choses. Gautama, le Bouddha, Bouddha lui-même parle de nombreux types d'êtres auxquels il a été confronté dans sa sadhana, dont en général on pense qu'on va forcément rencontrer quand on rentre dans certains aspects. En particulier quand on était aux alentours, il s'est passé beaucoup de choses, mais en particulier quand on a commencé à s'approcher de la consécration du Dhyanalinga. Ce genre d'être était une chose quotidienne, toutes sortes. Je ne suis pas bon pour les catégoriser et les nommer et dire ça c'est ci, ça c'est ça, mais ils sont distinctement différents, ça c'est sûr, aucun doute là-dessus, très distinctement différents, au niveau de leur énergie, de leur apparence, de tout. Tout ça, c'était là, mais je n'y ai pas prêté attention. Mais ailleurs, j'ai prêté attention à certaines de ces choses. Mais c'est une perte de temps, de bien des façons, parce que aucun d'entre eux, au moins ceux que moi j'ai rencontrés, aucun n'avait d'importance spirituelle pour moi. Donc, si je leur prêtais un peu attention, dès que je réalisais que ce n'est pas ça, je ne prêtais plus attention à ces choses, parce que elles n'avaient jamais aucune importance spirituelle. Elles n'avaient de l'importance qu'au niveau existentiel. Si tu veux explorer l'existence, oui. Mais si tu veux connaître ceci, elles ne servent à rien, parce que elles sont juste sous une autre forme, aussi ignorante que toi. Peut-être avec d'autres genres de capacités qui, pour vous, vont vous sembler incroyables. Mais je suis sûr que pour eux, vos capacités semblent incroyables. Autrement, elles ne rendraient pas visite, n'est-ce pas? Tout comme elles vous semblent incroyables, vous devez sembler incroyable pour elles. C'est pour ça qu'elles rendent visite. Ces jours-ci, je n'ai pas ce luxe.
À cette époque, il n'y avait pas de mur autour de la maison et le matin, toujours vers 5h45, 6h, quand le soleil se lève, je sortais toujours m'asseoir dans le couloir extérieur et il n'y avait pas encore le temple, je construis juste le temple dans mon mental. Tous les jours, je m'assois là et je regarde dans la direction où il doit apparaître. Comme je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les matériaux, je le regarde juste dans mon mental. À ce moment-là, vous savez, ces créatures étaient là pendant pas mal de temps. Elles ont des formes irrégulières, mais toutes comme à deux dimensions, vous savez, comme des cartons, qui marchent, se déplacent, et font du bruit, et elles traînent juste là tout le temps. Parfois, je ne pouvais pas les ignorer parce qu'elles étaient super bruyantes. Et il est arrivé parfois que, vous savez, d'autres personnes dans la maison entendaient ces voix et bruits, comme si je parlais à quelqu'un. Et ils sortaient et voyaient que je ne parlais pas à qui que ce soit. Ils ne savent pas ce que c'est, mais ils entendent quelque chose. Je ne parlais jamais. Mais elles faisaient énormément de bruit. Vous devez comprendre que quand on dit bruit, le genre de bruit qu'on fait, il n'y a que nous qui pouvons le faire. Quand je dis le genre de bruit, les oiseaux font peut-être un autre genre de bruit, mais on fait tous les deux les mêmes bruits en termes de fréquence, raisonnablement similaires. C'est pour ça qu'on peut s'entendre. Il y a d'autres créatures ici qui font d'autres genres de bruit que vous ne pouvez pas entendre. Donc en général, ces êtres font d'autres genres de bruit qu'on ne peut pas entendre, mais ceux-là faisaient des bruits similaires à nos bruits, c'est-à-dire quelque part dans la gamme de fréquences à laquelle on peut communiquer. Soit ils faisaient ces bruits spécialement pour moi, soit ils appartenaient à la même catégorie de sons que nous. Je n'ai pas exploré tout ça parce que mon truc, c'était mon temps filait, mes sables s'en allaient, donc je posais les briques. Je m'asseyais là et je posais les briques parce que ma fondation s'en allait à toute allure. Donc, si leurs sons sont à la même fréquence que nous, il est aussi possible que leurs pensées soient à peu près à la même fréquence que les nôtres. Leur corps pourrait être composé d'un matériau raisonnablement similaire, peut-être pas exactement, mais le même genre. Autrement, vos yeux ne les capteraient pas aussi facilement. Oui, vous pourriez voir si vous êtes dans un certain état, d'autres choses aussi, mais pas si simplement comme tout ce qu'on voit au jour le jour. Donc, est-ce que ce sont des yakshas, gandharvas, ganas? Je ne pense pas, parce qu'ils ne correspondent à aucune des descriptions dont les traditions parlent. Ils décrivent les gandharvas comme les plus belles formes humaines. Les yakshas sont légèrement différents, mais encore une forme raisonnablement humaine. Les ganas totalement déformés. Déformés, c'est-à-dire pas comme la forme humaine. Donc, dans la plupart des temples qu'on voit, ce sont des ganas. Pourquoi ils mettent des ganas, c'est parce que les ganas ont joué un rôle important dans la formation de la conscience humaine. Parce que Shiva lui-même est un gana. Et comme c'est un gana, il avait des ganas autour de lui, c'est son peuple. Mais il a pris une forme. Il a pris une forme humaine, pour être efficace avec les êtres humains. Mais ses amis sont restés dans les mêmes formes.
Sa forme était assez puissante et assez impactante pour qu'ils puissent faire leur travail sans tous changer de forme. Donc les formes de Gana sont partout. Étant humains, on essaie de les rendre un peu comme nous, légèrement déformés, parce qu'on ne peut pas imaginer quelque chose qui n'est pas du tout comme l'humain. Voyez, en ce moment, devant le temple de Bhairavi, il y a deux Ganas assis comme ça. Ils n'avaient peut-être pas cette apparence. Mais notre mental humain est tel que un être doit au moins avoir une tête. Et ensuite, on ne peut pas... Il ressemble juste à une balle. On a besoin de deux mains pour le faire ressembler à un être. Dans notre esprit, pour que quelqu'un ressemble à un être, il doit avoir des mains, des jambes, tout, vous savez. Peut-être qu'il n'avait rien de tout ça. Peut-être que ce que j'ai vu, c'était les vrais Ganas. Qu'il n'avait aucune des formes qu'on imagine. Mais avec le temps, les artistes... Comment un artiste peut-il dessiner ça et dire « c'est un être » Si je vous montre une forme de papier irrégulière et vous dis « c'est un être », vous n'allez pas le croire, n'est-ce pas? Au moins, je dois la découper. Une forme raisonnablement humaine pour dire « ça, c'est un être ». Un peu comme ça. Vous êtes clairement découpé comme ça, on va vous rendre comme ça et dire « c'est un être, vous êtes... oh, ok ». Au moins, une tête et un corps et des membres, il faut quelque chose, n'est-ce pas? Pour que le mental humain le perçoive. Donc, au cours du temps, les artistes ont peut-être continuellement transformé les formes. À tel point qu'on a transformé un Ganapati en Gajapati. On a transformé un Gana en un éléphant. Ce qui est un très gros changement, n'est-ce pas? Pas un petit changement, un très gros changement. Ganapati veut dire le chef des Ganas. C'est ce que ça veut dire. Donc, ce n'est pas juste qu'il est allé couper la tête de quelqu'un pour la mettre. Il a dit au Gana, « Ok, je vais prendre ta tête et la mettre sur un corps humain. Au moins, tu seras à demi efficace. Maintenant, je me suis donné une forme complètement humaine. Si je te mets un corps humain, il n'y a que la tête qu'on ne peut pas créer. Tu seras assez efficace, et il est efficace, n'est-ce pas? On l'a accepté parce qu'il a un corps humain et une tête de Gana. S'il était complètement en Gana, on le laissait dehors, on ne le vénérerait pas. On a gardé les Ganas à l'extérieur du temple, mais on a fait rentrer Ganapati dans le temple. Pourquoi? Parce qu'il nous ressemble. Donc, il a peut-être réfléchi à tout ça avant de le faire. Peut-être qu'au moins, il avait besoin d'un assistant avec une apparence raisonnablement humaine. N'est-ce pas? Peut-être qu'ils sont juste venus, juste comme on les a vus à Manasarovar, juste comme ça, en groupe. Simplement, d'une certaine manière. Ils savaient que sous cette forme, ils ne pouvaient pas opérer. Donc peut-être qu'ils ont utilisé de la terre locale pour se créer, et qu'ils n'ont pas pu se former comme il faut. Ça a fait comme ci, comme ça. Même parmi les êtres humains, tout le monde n'arrive pas avec la même forme, n'est-ce pas? Et donc, ils y sont allés avec des tas de formes et ils se sont dit, ça va, tant qu'un homme a une apparence acceptable, ils se sont dit, ça va. Peut-être que pour aller à une conférence, il avait besoin d'une personne de plus. Donc, il a pris sa tête et l'a mise sur un corps humain pour répondre à un besoin immédiat.